installé, qui prend fonction hier matin, dans un premier temps, dans le Palais National et dans primature, ça, avant 2010, nous étions toujours allés et Villa d'Accueil, après 2010, nous avons perdu l'espace Villa d'Accueil là. Primature, tu as trouvé l'île sous bicentenaire, en face, c'est là, parlement lui-même, tu as pris tout. Mais, côté l'ITA, c'était dans le local USAID, un local USAID tu as utilisé. Mais nous te mettez primature pays à là. D'accord? Nous te mettez primature pays à là. Tu rappelles ça, yo important. Qui ça conseil présidentiel l'a fait à date? Après installation, yo, moi te après nous te rencontrer avec premier ministre pour un petit bout de temps. On a parlé de Michel Patrick Boisvert. Est-ce que vous rencontrez Jodia? Est-ce que l'élection yo a organisé demain ou bien dimanche? Pas quoi nous là, mais ça certain, ils ont toute information qui vient joindre nous d'ici semaine prochaine. PIA, son président ou bien coordonnateur? En tout cas, PIA bien. Est-ce que nous disons un nouveau président ou bien un monde qui a en tête conseil présidentiel là? Pays a la parole. En tout cas, monsieur Damio a bien pour entendre, mais moi te vle nous entendre nous parce que toujours une discussion, toujours un débat. Ben nous t'ai fait comme parlement parce que ça n'a vive là son c'est expérience parlement. Le Sénat ou bien la Chambre des députés, ils toujours rentrent lundi. On l'a dit, mais on est dans deux mois à faire élection pour monter bureau. Dans deux mois à faire élection pour monter bureau. Dans deux mois à faire élection pour monter bureau et après le président Assemblée nationale ou bien le président du Sénat de la République ou capable de l'élection. Mais son sénateur, il y a 30. C'est 30 mon appui. Député, récemment, il était 100 combien? Il était 100 combien? Mais au lendemain des prestations serment, yo, yo entendu yo pour mettre un chef pour diriger assemblée parlementaire là. Yo mettez un chef, Samuel un chef, un président, yo monte un bureau pour diriger assemblée parlementaire qui est différent parce que ça pas gagner un bureau pour diriger palais national, pour diriger pays là, mais quand même faut gagner un monde a gagner un monde dans sept moun yo puisque nous connaît gagner des qui pas gagner droit de vote. Après, il y a 7 mounio qui doivent présider le conseil présidentiel. L'élection, je vous dis, selon toute information, l'a joué entre Leslie Voltaire et Louis Gérald-Gilles. L'élection, a joué là actuellement entre Leslie Voltaire et Louis Gérald-Gilles. Et moi, apprendre Fritz Alphonse Jean. Pata fin trop intéressé et l'état même non pour ta désister. OK, pour ta désister. Pour l'état désister. En faveur qui quand nous pas connaît. Pour ta puisque il estime il va trop chance. Bon, mais c'est pas ta mauvais on est tant qu'au fruit de Jean. Bon, c'est fruit de Jean. Mais c'est ça qu'a joué là. Bon chouette qu'a joué là comme si nous gardons alliance qui fait là entre Maurice Jean-Charles et Claude Joseph à un certain moment souvelé en 2004 qui pas de même côté. Mais bon gros chouette qu'a joué là entre Laval Astou avec un frange dans monde qui était bail et qui était bail coup d'état 2004 yo et gagne Laval Astou pour barrer. Et Louis Gérald Gilles, il y a un problème pour faire négociation avec l'LPHTK. Nous connaissons bien en tête li, l'LPHTK. Nous connaissons toute bêtise. Michel Matéli dit, Jean-Bertrand Aristide, tout ça, dit de la valasse, tout
parole li parler de la valance. Mais là, nous pas pour non division parce que nous avons société, nous reconstruit. Et c'est en matière politique, pas de gain, c'est vrai, bon, moun qui pi baote, c'est eux qui t'es victime, mais moun yo, le plus souvent, gain des petits salons, gain des cercles privés, yo rencontré le soir, nan mi-temps la nuit, gain des petits cercles privés, yo entend yo. Donc c'est ça. Mais garantie moins capable ba nous si donné ou pas changer. Alors nous là son nuance ouais son pléonasme tout si m'ba garantie si donné ou pas changer puisque nous sommes en matière politique. Parce que c'est pas au parlement depuis nèg l'arrivé il gagne temps fin député dit grand mon tête li mais jodi a on va écrire les politiques et majorité moun ki là c'est des grands moun et c'est des dirigeants politiques. On est tant qu'Edgar Galé Blanc qui nourrit l'idée, qui intéressé d'ailleurs c'est coordonnateur parti politique. Donc ça nan tête li, il t'a toujours il t'a aimé ouais, c'est lui-même qui coordonnateur sac là. Il t'a toujours ouais, c'est lui-même qui président sac là. Hein? Il t'a bien aimé ouais, c'est lui président sac là et lui qui a présidé lui d'ailleurs Edgar Galé Blanc nous pas qu'à empêcher le manifester volonté le boulevard candidat pour c'est lui-même qui n'a tête conseil là parce qu'il était candidat à la présidence déjà au second degré avec Jocelyn Privert. C'est vrai, bon, c'est Privert qui est passé dans la question que tu as faite dans parlement. Ça veut dire non seulement l'affaire politique, il est coordonnateur de l'OPL, il a dirigé l'OPL, mais il était candidat l'habitual dans l'élection. L'habitual dans l'élection, ça veut dire lui-même vient paraître dans un droit. Il a mandé pour négocier avec elle pour le céder. Il a mandé pour le retirer candidat tu parles là, gende, il a fait gros négociation avec eux. Et puis HTK campé dans deux Edgar. Parce que 30 janvier que Edgar la danse qui c'est OPL, représente OPL, il y a PHTK la danse tout fond comme ça. Lini Baltaza c'est PHTK. PHTK en dans 30 janvier. Même si on va battre PHTK, on partit lui-même, comme si on représentait lui-même seul, mais Edgar Leblanc, c'est PHTK en personne. C'est représentant PHTK en personne. Et tout nèg PHTK là, on mettait griffe, tout griffe yo de là, comme si pour accaparer ça là. Pour accaparer ça là, parce que yo dit, on va décider de yo. C'est combat ça gagne là, je dis, c'est bataille ça gagne là, qui peut-être. Qui retardé toujours élection yo. Mais tout ça qu'a joué là comme si est-ce que moun ki la yo comprendre situation qui na vive là? Vous tendez la parole? Est-ce que yo gen yon compréhension de situation qui là? Nous gon pays qui fermé depuis quelques jours. Depuis après Ariel Henry pas là, nous gon pays qui pas existé. Pas existé. Au grand pays, je dis à tout le monde rase là-dedans. Parce que pas gagné qu'à marcher. Pas gagné qu'à marcher. Je dis à le soir là, banque, depuis à midi, une banque fermée, je dis à. Banque, c'est l'autre formule. Gagné de ce que ça a de banque, c'est n'importe 200 monde qui travaille là-dedans parce que y a un bon monde qui est en bas la ville. Gon bon moun ki kou ekite kwa de bouquet, gon bon moun ki kou ekite bank yo kou ekite tabac. On très bonne partie Delma bank yo kou ekite. Ti côté bank a fonctionné alors rive nan yo comme si ou c'est 50 100 moun sans emploi parce que ou pas ka révoquer parce que yo nan situation difficile. C'est pas emploi yak mette tête li nan situation ça. C'est pays yak mette nan situation hein. Donc il est obligé de renforcer service yo nan côté qui a fonctionné yo pour au moins plus ou moins bah yo marché. Je dis qu'a gon chèque nan moi la banque comme si yo dit m'pa ka bon tout comme là. Quel goût quel dollar ou pa ka joine tout comme là son petit quantité ou capable joindre. Donc c'est ça là-dedans, c'est ça n'a vivre journée jodi a. C'est contexte difficile ça. Mais messieurs, il a fait temps passé, mais dans l'intervalle, a fait pas eu à brigler eux-mêmes. A fait pas eu à brigler. Hein? A fait pas eu à brigler. Même pas c'est un jour, quand même, pays a et citoyens a compris la nécessité
pour yo dit bon moi-même nous décider pour un destin nous. On décider pour un destin nous. Parce que moi dit nous ça déjà. Depuis hier mon sœur fin prêter serment. Condition la vie a changé oui. On est pas sous condition encore non. On est pas sous condition encore. Mais nous sommes toujours dans situation difficile là. Nous toujours dans misère là. Nous toujours dans insécurité là. Nous toujours dans insécurité là. Son groupe on veut démonter là puis au lendemain d'installation, il débouille là au fond élection propre puis met tout monde qui a dirigé conseil là dit mais chantier nous allemand oui. Ça que t'as pas plus gros force conseil là comme si hier potentiellement hier puis jeudi à tout pour nous faire la tibonite comme si on pas un poste de péage ou pas on l'argent à payer pour traverser. Et conseil là t'as renforcé lui. Conseil là t'as renforcé. Parce que c'est mise en scène politique lui-même lié. C'est une ville là comme si nous étions en bagaille. Une planification. Un message, on vous dit tout le monde qui a passé à la Tibonite. Tout le monde qui a passé dans le nord. Tout le monde qui a passé dans le sud. Ou pas de besoin de tout ça là. Mais sauf que moi, dis-nous, élection capable de faire. Pendant la semaine qui a rentré, l'élection capable fait selon toute dernière information que moi-même gagne, mais tout gagne des mouns là qui a essayé c'est quoi quoi pour regarder si l'élection capable fait dimanche. Mais c'est le samedi, nous semaine prochaine nous pensons acteurs pour aller mettre tête ensemble pour être capable de finir avec ça là, puisque c'est installation CPA. On a parlé sous les c'est comme ça toujours fait en Haïti. Et c'est après discours président, c'est n'a parlé des présidents, après discours président, pour avoir une réaction, population en attente, puis c'est son nouveau pouvoir, et une période observatoire, une période pour bailler, un temps de grâce, si vous voulez, comme ça, temps de grâce à nouvelle équipe là, pour garder côté la mener pays là. À chantier que vous même vous parlez à, et c'est ça que fait jodi a un ensemble de réactions qui gagnent. Nous pourrons parler avec Lemoine Bonneau dans émission Boukanté et la parole à soir pour nous comprendre vérité, pour nous comprendre réalité qui gagne la journée jodi a. Et c'est avec journaliste Lemoine Bonneau, ancien est-ce que nous essayons connecté avec Lemoine Bonneau, c'est important pour nous capable connecter avec lui, pour nous parler avec lui dans Boukanti la parole, pour nous comprendre, pour nous garder compréhension li de CPA qui est installé hier jeudi an, et à date pour qu'on beaucoup annoncé beaucoup côté par beaucoup annoncé rien beaucoup côté par pourquoi annoncer rien, mais merci et pourquoi annoncer absolument rien jusqu'à présent, sinon que discours fait hier. Et nous avons une population qui en attente, nous avons une population qui dans un contexte difficile, nous avons une population qui vraiment dans le besoin. Eh bien, c'est ça que fait nous devons parler avec Lemoine Bonneau à Souéa dans l'émission Boukanti la parole. Maintenant, PC fait contact là et ça pour encore facile pour nous joindre Lemoine pour nous parler avec lui dans émission Boukanti la parole, qui est extrêmement important pour nous garder compréhension des conseils présidentiels de transition. Ça, nous devons PIA à parler de lui, mais déjà nous avons des mouns, qui dit bon, ont déjà fait partie de l'opposition. Mais quid de ordonnance, puisque nous avons le Lemoine Bonneau, parce que nous avons ça, parce que son dossier est extrêmement important, hein. Parce que, même si nous avons, oui, là, je pense que
et n'espérez jouer là puisque connexion extrêmement difficile parce que c'est lui-même qui doit tourner nous appel là qui ça possible hein. Vraiment t'as bien content et parler avec lui mais ça va pas marcher. On a essayé de faire ça très rapidement puisque nous connaissons communication ici extrêmement difficile hein. Ok, là peut-être passer là plus ou moins pour nous capable joindre le moine. Bon, nous pourrons parler avec lui à soir dans l'émission Boucanter la parole sous installation conseil présidentiel là. Et jusqu'à présent, cap tatonné pour une question, président. Le Moine Bono, bonsoir. Son plaisir pour nous parler à soir dans Boucanter la parole. Bonsoir, Alistair. C'est avec plaisir, moi-même, tout, pour nous répondre à une question, pour nous faire un petit bas de bouche sur l'actualité qui a passé dans le pays d'Haïti. Eh bien, à vous. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Nous allons boucanter ensemble à soir dans l'émission Boucanter la parole. Après un peu le temps, c'est vrai, l'initiative là te prend. Depuis la date 3 avril, monsieur Tapé Goumen, Tapé C, fait mise en place. Il a finalement arrêté à ta poêle sortie dans la date 12 avril. Tu as gagné un pile monté de son. Et finalement, tu as arrêté le gouvernement dans la date 16 avril. Tu as dit, il confirmé ou bien il parlait de reproduction. Dans le cadre arrêté qui nommait 9 membres conseil présidentiel yo. Et finalement hier yo prêté serment dans le palais national et installation t'a le fait dans niveau Villa d'accueil. Et donc qui sa compréhension les moines bonnes liés des premiers journées. Bon, premier journée en fait hier effectivement et conseil là prêté serment et conseil là est réuni. Et tout le monde était well, il y a allé dans le palais national, il a prêté serment, il a monté dans la villa d'accueil, il a fait réception et il a reçu la salutation de différentes personnalités, notamment le corps diplomatique. Bon, on nous dit son nouveau départ, son nouvelle transition au pays. Un pays qui, depuis environ 3 années, a traversé une crise d'insécurité et qui vient créer une crise économique grave, aiguë, et qui fait en pile des centaines de milliers de monde qui étaient caillés aux bandits à chasser. Eh bien, je crois que c'est un véritable et son gros pari que le conseil présidentiel là, eh bien, il est en là pour le cas relevé. Parce que lorsqu'on a près de 400-500 000 personnes, avec des bandits chassés au lac, et en pile de monde qui a un petit business, qui a un gros business, eh bien, de rue des Fonds-Forts jusqu'à rue Pavé, et maintenant c'est tout le centre-ville, on a perdu toutes ses activités, on a entré dans le chômage. C'est-à-dire que c'est une situation qui est facile, mais tableau situation, des hôpitaux qui sont dans cette ville là, bandits crasés, chassés moun yo. Il y a des infirmières qui tapent travail, il y a membres personnels de soutien, il y a des médecins. Et l'hôpital ça a été contre ba moun soin. Mais tableau situation nous gen amen nous là avec ensemble de groupes armés eh bien qui a terrorisé population, qui a tué moun, qui a kidnappé moun. Eh bien c'est dans contexte ça que 9 membres conseil présidentiel là prêté serment. Hier, eh bien, pour conduire bas pays, eh bien, pour permettre que pays sorti dans sa lie là. D'abord avec la question de sécurité, ensuite la crise économique aiguë qui a traversé des centaines de milliers de familles. Parce que ça a eu lieu. Donc, tout le monde qui a eu toutes ces activités, ça a perdu. En pile, monde perdu le job, en pile, monde perdu le business. Yo. Eh bien, c'est ça que conseille la Genamène, je dis là. C'est ça que Genamène, et c'est ça que pour le faire. Il faut approcher les problèmes les plus cruciaux que le pays a traversé. Non seulement depuis le Jovenel Moïse, avant de quitter le pouvoir, il a traversé son crise. Il vient assassiner l'Ariel Henry Monté, il fait 2 ans, 8 mois. Il n'a pas fait un rien. Au lieu de t'aider à résoudre le problème, ça a occulté Vinjouenni.
eh bien, il a augmenté. C'est quand on a abscé sous clou. Là, c'est le Jovenel d'aller. C'est seulement mon Marty Santé qui te caillou, bandit te chassé. Mais t'as pas d'ailleurs là, ou vient tout le monde qui te été cafoufeuille, ou vient le monde qui te été dans zone pas peu de choses pour arriver jusqu'à champ de masse. Eh bien, moun sa yo, yo chassé yo la caillou. On va parler de moun qui te été en bas ou de frère, moun qui te été pernier, moun qui te été tabac, moun quoi des bouquets. Nous la pleine, mais ça que conseil présidentiel la gagne en main pour le capable dans sous lui pour l'analyser pour commencer résoudre point par point, notamment le plus grand problème que a traversé depuis plusieurs années avec les groupes armés, c'est l'insécurité. Mais tableau situation qui n'a même conseil présidentiel là. L'ordre de ce tableau ça a m'attendre là son tableau vraiment sombre pour pays a la prend bon petit temps pour nous sortir, mais on montre plus préoccupé par rapport à mon CPO puisque depuis hier yo fin installé jusqu'à présent le moine Bono nous rete attendre soit un coordonnateur ou bien un président en tête conseil là. Bon, ça c'est un mauvais signal que vous baille. Depuis hier, après au fin fait et prêté serment, ils ont entré en fonction officiellement depuis hier. Eh bien, au plus tard, je dis à la, faut que tu fais réunion. Parce que qui ça, le conseil en soi, toutes les décisions pour le conseil là, oui. C'est pas président, non? C'est pas un président qui a un cap monté, non? Ou un coordonnateur d'un conseil présidentiel. Il y a tout son paquet de présidents, oui. C'est le 9-6 président qui est là, oui. Ça veut dire que mes gon coordonnateur, c'est-à-dire c'est lui-même, le conseil là, qui prend décision, il est là pour faire exécuter décision. Le conseil là décide pour aller rencontrer une grande personnalité, là pour rencontrer personnalité au nom du conseil. Là, signe tout document que le conseil a d'accord au nom du conseil. Mais les privilèges sont les mêmes. C'est ça lié, oui. Parce que c'est comme ça, on conseille, oui. C'est pas que le président a tout privilège, et l'autre membre conseil a très peu. Non, les privilèges sont les mêmes. Ça veut dire que là, je suis un petit peu perdu. Je ne sais pas pour qui ça que monsieur a pris tant ça pour faire élection. Et c'est un mauvais signal que a voué la population. Qui compte en pile, qui a commencé à faire démarche, qui ça a faire pour retirer le pays graduellement dans cette situation ça. Parce que personne n'a pas dit que monter ou monter, il va commencer à retirer le pays à papa. Non, les problèmes sont complexes. Mais c'est démarche, on a commencé à web pour avoir un signal, pour qu'on sente qu'effectivement, il a commencé à mettre au sous travail. Alors, je dis à la fois que tu as fait l'élection. Malheureusement, on va faire. On va dire qui s'est passé. Qui dit que véhicule de quel inconvénient. Et là, on fait commencer que semaine prochaine, tu as fait. Mais c'est pas un bon signal le fait que vous prenez tant comme ça pour faire une élection. C'est pas un bon signal. Mais maintenant, vous regardez qui ça vous va le faire. Parce que si vous devez faire, vous pouvez faire. Si vous faites lundi ou bien dimanche, on se dit à nous, par contre. Mais l'essentiel, c'est urgent dans les là. C'est même genre ça où le ministre de l'Éducation dit l'école n'a pas qu'attendre, la population n'a pas qu'attendre. Radio Omega. C'est ça bien là. Dans l'intervalle, élection pour qu'on fait, pour soit bon président ou bien un coordonnateur dans tête conseil présidentiel là, c'est comme ça le bon. On dit plutôt un président parce qu'il est le conseil présidentiel de transition et c'est consulté. Et nous récemment, c'est Milan de Maniga qui était président HCTA. HCTA, elle dit au conseil de transition. Mais avec gouvernement sac démissionnaire, c'est vrai qu'on on PMAI qui l'a pour un titan, qui a géré intérimat, puisque ou pas qu'à la guerre l'État dans la rue, tout le monde a fait ça, vous voulez. Pouvoir que là, tirer ce pouvoir que là avec messieurs, dames, ça qui installé là, qui ça est capable de faire dans la minute qu'on a parlé là? Une fois le conseil présidentiel l'a fini, prêté serment, eh bien, pouvoir intérimaire, qu'il n'y a pas rien doit faire autre que liquider les affaires courantes. C'est ça où est le premier ministre intérimaire. Un premier ministre intérimaire, il y a une limite. Où? Et avec tout gouvernement, ou là pour liquider les affaires courantes. Ça veut dire que aujourd'hui, on est supposé faire payroll ou faire payroll. Ou supposé faire chèque ou faire chèque. Son routine,
Mais en termes d'initiative, vous n'avez pas le droit de prendre initiative parce qu'il y a un conseil présidentiel. Si vous avez une décision ou que vous êtes supposé prendre dans le cadre de fonctionnement de l'État, vous vous adressez au conseil présidentiel. C'est moi le premier ministre intérimaire là. Au premier ministre intérimaire, c'est mon premier ministre qui doit prendre décision. Ou là, pour faire fonctionner l'État pendant un petit temps. C'est-à-dire, eh bien, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Comme l'État n'a pas qu'à suspendre le fonctionnement, eh bien, où sont le premier ministre intérimaire. C'est-à-dire, ou là, uniquement pour liquider les affaires courantes, en attendant que mon premier ministre, qui va le choisir parmi les membres du conseil, au sein du conseil présidentiel, et puis avec un nouveau cabinet ministériel. C'est-à-dire, en attendant que nouvelle équipe ça rentre, eh bien, l'équipe intérimaire qui est là, eh bien, il y a plein toutes mesures possibles en matière de continuité de l'État. Mais les grandes décisions qui concernent l'administration, pas qu'on doit prendre. Parce que le conseil présidentiel qui est en fonction. Si vous voulez prendre, il dit, conseil présidentiel là, mais telle mesure que nous t'as supposé prendre, comme pas qu'un premier ministre, moi-même là par intérim, eh bien, on pose des questions à l'attention de vous-même. Et c'est ça l'administration. C'est ça lié. Alors, même couvre-feu, même si vous voulez prolonger, puisque vous avez fini 1er mai et Capvin là, si vous voulez prolonger, c'est à conseil présidentiel là pour PMAI à adresser. Exactement. Le paquet doit prendre un couvre-feu pour le conseil présidentiel. Si vous voulez prolonger, vous voulez renouveler, vous apportez la question par devant le conseil présidentiel. C'est le conseil présidentiel qui jugera s'il y a lieu. Eh bien, la continuer. Et puis, laisse ça une bonne autorisation pour relancer le couvre-feu. Mon paquet doit prendre décision. Comprenez? Parce qu'il y a un conseil présidentiel qui a prêté serment, qui rentrait en fonction. Même si pour qu'on président dans tête conseil là, toute décision gouvernement ça apprend là, il doit prendre avec conseil là. Avec conseil là, pas qu'on doit prendre rien ce conseil là, sauf la routine quand on dans groupe tout le monde vient travailler et chaque poussin pour payroll, par exemple nous en fin mois d'avril. Comprendre, nous en fin mois d'avril, chaque mois faut faire pour les fonctionnaires de l'État ou continuer routine ça. Mais on ne doit pas prendre les grandes décisions. On ne doit pas signer un contrat qu'on y a, semaine ça. On ministre pas rien doit ça. Comprenez? Parce que ou son ministre démissionnaire. Donc, nécessité là, on dit une catastrophe passe à soi, parce que depuis hier soir, la pluie a tombé dans le département de l'Ouest là. Une catastrophe qui passe là, c'est pas ça que nous souhaité. Donc, c'est avec conseil là pour décider. Bon, donc, nécessité pour messieurs Damien aller vite, pour mettre un président en tête conseil là. C'est ça, on catastrophe passé comme si c'est dans l'autre possible des choses, oui. Ça qu'on fait. Même côté, hein, le premier ministre intérimaire ou entre en contact en communication avec le conseil. Avec le conseil vous dit, qui ça a fait, mais tel dossier, mais tel bail qui vient, et puis lui-même, il a pris une conseil là et prend les mesures que de droit. À qui est ce gouvernement intérimaire les va adresser lui, puisque ils sont au nombre de 9. Non, la quand même qu'a bon coordination. Il était qu'on fait coordination avec avant entrer en fonction. Avec le premier ministre intérimaire. Il était qu'on fait coordination avec. Là après les mêmes monde ça que qu'on fait coordination avec. Le monde dans conseil là. Premier ça pour faire une fois au fin entrer en fonction. Eh ben c'est partager les coordonnées avec le premier ministre intérimaire. Partager les coordonnées avec elle, si on va appeler et immédiatement pour le ministre intérimaire appeler. Si on va et tout conseil a besoin en information, en instruction a besoin passer, l'appeler pour le ministre intérimaire là. C'est ça, c'est l'administration, c'est comme ça le fonctionner. L'administration fonctionner, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. L'État pas qu'à camper, pas fonctionner encore. Donc mais c'est qui là qui se met nécessairement hier qui est installé, il va de faire payer à tant tout. Vous cantez la parole. Ah non, il n'y a pas qu'un droit ça même. Jodia, date limite de faire élection pour nommer un coordonnateur du conseil présidentiel. Bon, maintenant là, une fois fait ça, on lance un signal qui pas du tout et rassure le monde.
Parce que qui s'arrivait de faire élection pas en fait. Ils étaient prévus de faire élection avant. Ils n'ont pas fait l'avant. Pas de problème. Ils ont dit quand on finit d'installer après élection, ou installer hier, ou entrer en fonction, ou t'es doué d'être faire élection pour un coordonnateur du conseil présidentiel. C'est ça. Et tellement de défis devant là pour nous commencer à citer avec vous. En regardez, je dis à la fois que tu as réuni avec l'état-major de la police, ou l'état-major de l'armée. Et vous mettez sous pied, il y a un conseil. On prend, mettez sous pied, il y a une commission pour question de sécurité. Pour commencer à travailler, pour connaître comment on va approcher les questions le plus rapidement possible. Même j'ai pris toute décision hier pour barricader toute zone palais pour bandits. Mais il faut commencer. Dit, on déployer l'armée, déployer la police dans toute zone centre-ville là pour limiter les actions des bandits. C'est ça, oui, ou le conseil là. Vous faites compter, c'est comment c'est signal pour commencer vous voyez. Comment c'est vous signal? Ça veut dire n'y a pas de je dis là, n'y a pas de non goumen sous question qui est-ce qui devient président, qui est-ce pas devient président. T'as un message clair pour dire bon, Valestin ou Vlal non, le monde bon ou Vlal non, désormais n'a pas commencé à passer par Tibonite. Mes amis, même quand je dis en fin élection, mon dit président, président, qui était le particulier pour nous discuter pour un président, coordonnateur ou bien président, Jean-Noël il est là. Bah, son conseil présidentiel, il n'est pas président du conseil présidentiel. Bon, il faut qu'on coordonnateur du conseil présidentiel. Mais maintenant, qui pose comme problème pour rien tout le temps ça? C'est un mauvais signal. Parce que je dis à la député fin fait élection. Eh bien, où est lui encore donateur lundi, avant même que on commence à statuer sur et Premier ministre, parce qu'on a besoin de Premier ministre, eh bien, nous commençons à réfléchir sur un budget. Et c'est ça, Willie. Faut faire un budget rectificatif. L'on déclare, vous voyez cinq chantiers où vous résoudre. Avant deux ans, avant on fait élection. Cinq chantiers. Un, la question de l'insécurité. Résoudre dans les meilleurs délais. Deux, la situation grave économique à traverser toute couche pays. Monde qui perd du business, monde qui pas de travail, qui vit dans le chômage. Eh bien, il faut approcher. Ou prendre tout petit planteur dans le bas à Tibonite. Pendant faire, ou perdre toute récolte. Il y a besoin de retourner au travail. Tout ça, c'est un problème économique. Yo. Il faut réfléchir comment nous pouvons faire un budget rectificatif. C'est ça, oui, lié. Vous faites un budget rectificatif là, qu'on y a parce que l'homme monte comme président, l'homme au conseil présidentiel ou en exécutif, vous pouvez agir sur cinq chantiers ça, à partir de qui ça? C'est pas à partir du budget que tu es là déjà. Budget que tu es là déjà, tu as une planification, tu as une vision sur lui, même si Ariel n'est pas ta brigue. Hein. Mais vous-même, il faut un budget pour vous. C'est ça, oui, l'État. Vous montez comme président, t'es un budget déjà au fond budget rectificatif. Et puis vous dites, eh mais, par exemple, le Palais National, t'es gagné 1 milliard 500 millions de goudes que t'es gagné comme budget pour l'année. Et vous dites, non, le Palais National, on a besoin de tout comme ça. Pas un budget d'investissement. Un budget de fonctionnement pour payer un employé, ça me fait 1 milliard 500 millions. Ça va tout comme ça. Elle m'a désaffecté en partie comme ça. Pour me voler dans d'autres rubriques pour me résoudre cinq chantiers, ça, on me dit. C'est ça l'État. C'est ça l'État. Eh bien, je vais regarder dans l'autre poste budgétaire. Pour me garder, on te gagne 1 milliard 66 millions de gouttes pour intelligence. C'est-à-dire, Palais National de grande quantité, Primature de grande quantité. Ministère de l'Intérieur de grande quantité, ministère de justice t'es gagné pour police nationale besoin. Il besoin en service, il faut gagner un corps pour intelligence. Mais ça pour, en dehors de palais national, pas capable un corps pour ça. Mais ministère de la justice, ça vous va comme ça. Et puis ça pour besoin 1 milliard 66 millions de gouttes pour année pour intelligence. Et puis intelligence ISO a servi plus, oui, que intelligence par l'État haïtien. 1 milliard 666 millions, que l'État te compte mettre pas pour année budgétaire là, pour année fiscale là, pour intelligence, alors que
intelligence ISO a fonctionné bien, intelligence Lamansanjou a fonctionné bien, parce que l'on machine police quitté centre-ville Port-au-Prince, la pral encore Lamansanjou, depuis le moment qu'a fait ça, avant même, eh ben, Lamansanjou qui a connu une machine police qui a venu. Gon blende qui a venu. Eh ben, ça dit qu'il est plus efficace. Tandis que Lamansanjou qui était dans la caille, en dans la zone quoi des bouquets, les pral font exaction et dans la zone Santo, la police va connaître. Alors, la police va connaître, la police gagne plus de 10 millions de gouttes d'amel par mois pour intelligence. Et ça, oui, il y a. En fait, exercice sur chantier sécurité, il y a parlé de sécurité, et puis c'est remembrer l'économie pays, et puis il y a parlé de questions de réconciliation nationale, dialogue national, ou bien conférence nationale. N'importe quoi, il y a là, société a lui-même les besoins. Mais regardez l'aspect sécurité, les moines Bono. Je dis à Ougain, on département l'Ouest qui vraiment. Et quand on vire ou prend, ça va vous dire, je dis à si on a vive Delma, pas qu'on foyer des gangs ou bien pour prendre Delma ou bien petit ou bien pour dire ou bien vivre, non, ça va exister dans le département de l'Ouest la journée aujourd'hui. Et m'a regardé en bas la villa qui n'a pas existé, c'est vraiment un pile gymnastique pour un monde qui a un chèque sous ta besoin, aller dans BRH, faut chèque la mouton blender et pour blender à poter l'en bas, blender à moutavel, que ça. Bon, on va accès pour descendre. Et on regarde Nouvelis et Jodia qui annoncé yo pillé locali c'est ancien la caillou le moine Bono et nous a plein de gon ministre là qui était fait partie des institutions ça dans il était justice, il était déclaré gon ensemble de territoires qui perdit en dans pays là. Là on regarde toute configuration Port-au-Prince là, département la Tibonite et dans nord-ouest pays on connaît gen on foire des gangs tout. N'a parlé des gangs Tibouadom dans département sud nous et Muscadin bon côté parli bon li font gens dans département ni pays a pour moun pas prendre région ça sinon que nous t'es capable perdre des régions département ni plat déjà comment messieurs dames qui la yo même CP gouvernement comment yo t'a doué aborder question sécurité ça pour vraiment pour faciliter route nationale yo même yo relouvrir. Là, on attaque un problème qui même il dit c'est la priorité des priorités question de sécurité. C'est vrai? Mais j'en pose là. Ou pose là, on dit mais tableau situation de sécurité. Oui, ça on dit là. Effectivement, centre-ville là qui mon dit quand j'en chez la banque centrale. Effectivement, centre-ville là presque de tout monde entreprise institution, tout petit business. Et ça on dit là, Delma mon là. Mais c'est hier, oui, vagabond, bandit, vous prenez Delma 24. Vous battez les gens, rentrez les gens, vous boulez les gens, vous boulez les machines, vous boulez bien les gens. Eh bien, c'est juste dans l'après-midi, vous vous blendez avec le monsieur l'armée, et puis qui au moins vous font action contre bandit. Et ça dit que là, vous avez monté pour 24, vous avez pris 28, après ça, vous prenez tout le reste. Jusqu'à présent, là, mon petit souffle, c'est après qu'à foyer pour apporter. Mais personne n'a rendu le mot. Personne n'a rendu le mot pour attaquer. Delma 13, Delma 17, Delma. Personne n'a rendu. Personne n'a rendu. Ça veut dire que c'est pour conseiller à comprendre. L'on monte nos conjonctures paraît ou pareil. Mais c'est pour agir vite et pour agir bien. Vous cantez la parole. C'est ça, Willy. C'est-à-dire qu'il faut réunir au plus vite côté Karini pour qu'on ait qui vient à résoudre tel problème de sécurité posé que le monde ne va pas vivre. Moi, je ne parle pas la voix là, c'est des noms, c'est des plaisances. Il y a 2 ans, je ne parle pas la caille. Il y a 2 ans, on ne parle pas fait 2 mois, non, je ne parle pas de plaisance. L'homme, pour moi, je me sens m'ennuyer parce que j'ai une famille là-bas, j'ai ma tante, j'ai tonton, j'ai une famille. Et c'est pays PAM, c'est là que je fais, c'est là que je grandis. Comment c'est pays, m'aller souvent la donne. Mais comment ça fait 2 ans, première fois dans la vie pas moi. Je fais 2 ans bas en présence. Première fois depuis que je fais 2 ans bas aller. Et c'est pas moi qui parle aller, non? Bandit empêché m'aller. Ça veut dire que c'est pas normal. Moun qui, des moun qui, tout près là, si c'est moun Saint-Marc qui pas aller, des moun qui moun à KF pas aller. Les amis, maintenant, là, conseil là, pas qu'à dire, et puis quoi? Ou en face un tableau de situation de la sorte,
Et puis, pour étape minimiser, pour question discuter pour une question président. Non, élection te doit faire déjà, son mauvais signal. Son mauvais signal. Comprenez? Parce que là où on face à un problème qui est grave, eh bien, on agit plus vite qu'on agit. On prend les décisions les plus et rapides. Eh bien, pour jouer une solution. Alors, en attendant, force multinationale, lui-même, il est rentré dans le pays, il a joué un accord. Bon, c'est, nous avons négocié sous ça longtemps. Bon, c'est pour force multinationale. Là, tout à l'heure, c'est un film mouru déjà. Haïtien va exister encore. Est-ce que vous pensez l'armée qui là avec la police nationale, là, il a un coup de main? Sous ta vle, on boucanait un bouilli. Mon cher, si conseil là, son conseil qui est positif, qui voulait marcher bien pour ça pour faire là, mettez l'armée avec la police au service, et puis en attendant pour acheter les équipements nécessaires que l'armée a besoin, que la police a besoin, et bien là, la même force militaire là, la vini. Mais si c'est au Wapton, mais presque tout haïtien, puis faut haïtien t'as fait de mourir. Et vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à une situation pareille pour ne pas arrêter tant la force multinationale. Non. On va utiliser force sacrée. Ah bon, mais dégageons. T'as qu'un 18 millions de dollars depuis 2022. Là, il t'a pas acheté les armes, non, mais Israël. C'est moi qui t'ai promis de dénoncer ça à la radio. Et c'est ça, de ces sacs, pas même qui t'es nouveliste. Depuis avril 2022, Ariel Henry t'a pas acheté les armes, non, mais Israël pour 18 millions de dollars. Là, Israël dit le pape venir, il vient acheter le même Canada. Là, le ministre, ambassadeur canadien, t'a appelé, il dit oui, j'aime bien venir, tu sais, il dit ça quatre fois, et bien après, il me dit, vous êtes un menteur, vous connaissez très clairement que les amis ne vont pas venir. Car États-Unis dit Israël, dit Canada, pas venir à Haïti, Zam. C'est de ces sacs, Femin, qui était nouveliste. Jusqu'à présent, Zam, j'aime venir. Il y a un conseil de vieux blindes, de malfagotés. Mais char, ça, Haïti, t'as pas acheté, c'était char d'assaut, oui. En dans char d'assaut, on a tiré. Mais les États-Unis disent que le Canada n'a pas baillé parce qu'il n'y a pas de vrai nous sortir dans la sécurité. Et c'est ça qui fait tout, il n'y a pas de vrai à utiliser le service de l'armée. Parce que les États-Unis n'ont pas voulu Haïti bien. C'est pour la première fois, oui, depuis une vingtaine d'années, que les États-Unis disent reconnaître. D'ailleurs, vous songez ça très bien. Vous n'avez pas été monté comme président, ils montent en commission pour réhabiliter l'armée. Le gouvernement américain dit qu'il n'est pas intéressé à faire l'armée. Il a pour aider à renforcer la police. Pour la police, c'est une police professionnelle. Pour qu'il y ait des armes, pour qu'il soit capable de contrecarrer toute gang, bandit, et puis pour qu'il y ait un pays correctement. Et puis, comme Breval, madame Nice est un monde qui a deux petites qui sont à l'étranger. Chaque 15 jours, on va falloir être deux garçons. Il dit président, moi-même, États-Unis, pas veut pas tuer tête. Et puis, il fait le dossier l'armée. Martelly monté au pouvoir le 14 mai 2011. Leur fin de monter, il mettait sous pied en commission pour réhabiliter l'armée. Commission, remet ton rapport. États-Unis, tu même pas là. Martelly tout fait, mais ça, d'ailleurs, Martelly, c'est tout le monde pas. Il était aidé, il a même quitté aidé le monter. Créer toutes conditions pour le pays, pour l'on série de côté au caille, pour Martelly comme président. Amen. Et je dis toujours ça. Le résultat de l'élection en décembre, l'ambassade américaine met en machine devant 5 médias. Et puis, quand on fait un résultat, le résultat est dit Jude Célestin en première position, Milan Maniga en deuxième position. L'ambassade américaine, on communique de presse, il met en machine devant chaque média. Et puis, quand on fait un résultat, et puis, il y aurait les chauffeurs, et puis, il paraît et dit. On communique de presse de l'ambassade américaine. Communique de presse a dit que c'est pas résultat à ça. Vous parlez de nos médias, non? Pardon? Vous parlez de nos médias, ça, yo? Oh, m'kabon, tous les cinq, c'est un bagage public qui était. Yon devant Métropole, yon devant Vision 2000, yon devant Caraïbes, yon devant Kiskeya, yon devant Nouvelis. Cinq. Moi-même, laisse ça, m'tapter dans Nouvelis. Nouvelis, c'est Pétionville. Quand je suis sorti, je me dis, Duval, j'ai une situation, j'ai l'impression que je finis par résultat là, il y a quelque chose. Il dit, bon, nous, comme résultat, je me dis, pas qu'on est, même suspect ça. Et puis, quand je suis sorti, mon gros fait l'ambassade américaine, n'a pas qu'il n'a. Et puis, je me dis, un message. Je me fais back, je me retourne. Ouais. Et puis, Duval, d'abord, je me dis, oui, un message.
Il dit qui message, il me dit ah, pas connait un message pour venir nous là. Et puis moi rentrer, comme fin rentrer 10 minutes après, yo bay résultat et puis monsieur Anik parti d'ailleurs moi-même même qui prend communiqué à la main. Ils ont communiqué le président américain dit moi ben moi, me prend et puis me dit le même message là. L'ambassade américaine dit que c'était Kenneth Merton qui est ambassadeur à l'époque. Oui, oui. Il dit que c'est pas résultat. Et puis, même côté à tout, développement a commencé dans la rue. Alors, ça a dit son bail qui était planifié, oui, par l'ambassade américaine. Ça veut dire, c'est bien pourquoi annoncer les élections, notre ambassade là qui est écrit, communiquer ambassade là qui est écrit. Qui est préparé, il y a 5 machines. Devant 5 médias, quand on dit que le résultat, puis on dit, mais c'est pas un résultat ça. T'as dit que tu connais que le résultat, quoi, ben? Vous gardez la parole. Vous comprenez? T'as dit que deux autres, ça, c'est l'ambassade américaine qui cautionne, qui prépare, qui planifie. Et puis, pays à feu, mon petit watch, bouteille, caoutchouc, à bouler. Là, ça, personne ne va faire pas, non? Côtoyer. Vous gardez la parole. On dit que faut nous sortir dans le bagage, ça. Faut nous sortir dans le. Michel Martelly finalement pas établi et soulevé par établi la MEA commission pas arrivé retourner avec la MEA d'Haïti. Non du tout. Commission ça les États-Unis pas voulu Martelly. Martelly dit bon, nous quitter ça. Jovenel arrivé comme président, il fait même démarche là. Les ambassades américaines dit bon, États-Unis dit non, ou pas que la MEA caillou. C'est la plus grande arme au gain. La caillou. Et il dit oui, mais pour ça, je ne vais pas gagner la même. Il dit bon, je prends acte. Il dit je prends acte. Je vais faire la mienne même. Je vais faire. 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 C'est une enquête correcte qui a déterminé. Et puis, quand il y a là, je vais faire. Et nous avons 1500 hommes là dans la mienne. C'est grâce à Jovenel Moïse. Si bandi yo pa pran importe la lè ou te vle prendre nan, si la police seulement ou te ka prendre. Et là mette campé chez ou prendre. En vrai, ça veut dire que ou pa ka gon pays. L'on pays gon problème, le ça eh ben ou prend toute disposition pour résoudre li. Je veux dire c'est le problème numéro 1 c'est la sécurité. Mais le conseil une fois prêté serment, c'est mettre au travail pour résoudre question de sécurité. Pas du pour résoudre une baguette magique, c'est pas un décret pour le prendre pour résoudre. Non. C'est pour des troupes, pour des examens, pour des équipes préparées pour ça. Mais graduellement, on a stoppé mon dieu, parce que là, ça fait 2 mois, oui, tout le monde va à l'école. Je fais moi, février, on partit dans l'Oualé, je fais mars et avril, faut retourner à l'école. Mais le conseil présidentiel, je vais te bouler là, vous dégagez pour vous retourner à l'école, pour tout le monde à l'école. Il faut être pour lui là. Mais à distance, pendant que Simon parle à l'école, à distance, nous avons ministre de l'Éducation nationale là qui a félicité Tetli parce que lui retourne dans tête institution internationale qui peut-être est frappé moins. Parce que mes rapports là plus fidèles ou capable de rappeler auditeur ça pour nous. Oui, effectivement, je ne sais pas qui est retourné déjà parce que même si il intérim, mais au moins. Et il est supposé la rue jusqu'à ce que passation en fait avec ouais, le nouveau ouais, ministre ouais. Capable de gagner le nouveau gouvernement. Après, même s'il a retourné encore dans l'institution internationale, mais en principe, et légalement là toujours. Parce qu'il a touché moi la ville là-bas. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas là. Bon, il est capable de t'envoyer. Il n'est pas là, mais en principe, il est là. Ok, un faut exercice pendant votre là. Ministre qui sort sur qui est démoiré, est-ce que pas capable de révoquer ou pour abandonner des postes? Non, on va capable parce que s'il est allé dans mission quelconque, on va connaître côté est allé. C'est pour l'État et entre temps pas d'un avion, pas d'un vol sur Haïti, pas d'un moyen pour venir. Ouais, pas d'un moyen pour venir. Là, on pas capable ni critiquer yo et gain te passer par Saint-Domingue dans l'avion et puis qui fait aller chercher au cap et puis il rentre pas de prince mais gain l'autre qui pas de prendre ça et on reprend les gars là nous pas laguer ça sous deux dit abandonner c'est ton parenthèse alors ou quoi la MEA est capable de réponse à ça là
Mais le constat, son là, mais seulement dans l'Ouest, il n'y a pas qu'un autre côté encore dans le pays, non? Alors qu'il y a la l'armée d'Haïti. Oui, alors, l'armée d'Haïti, en principe, vous supposez qu'elle gagne et plusieurs compagnies au pape Kakemel seulement dans la capitale. Comme c'est là qu'elle commence à former, eh bien, là, centre de formation, c'est pas le point cité, c'est dans l'Ouest cité, eh bien, l'armée là en attendant. Mais une fois l'armée fin complétée, même si elle pas fin complétée, au fur et à mesure, à augmenter, non bien, faut capable de mettre des contingents dans l'autre département, notamment les départements qui posaient plus de problèmes en matière d'insécurité, pour venir en appui à la police. Et les l'armée fin complète, ou capable de mettre au bas division, ou en division qui au Cap, ou en division qui au Caille, ou en division qui au Jérémy, ou en division Robin. Les ça, l'armée qui est en connaître. Et à chaque fois qu'on problème, c'est la police. C'est la police besoin de frapper à l'armée. Est-ce que M. Bessap est capable de faire un coup de main? C'est vrai, définition, c'est pas travail. Bon, je crois que vous avez ici, je crois que vous tout côté. Il n'y a pas d'espace protégé vraiment. Bon, maintenant, ça n'y là, est-ce que il n'est pas capable de faire un coup de main? Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Ça, premier, ça vous faire faire une évaluation de situation de SAP, quantité de monde qui la donne, côté aux jeunes âmes, est-ce que c'est l'État qui quantité sous budget, qui quantité c'est des particuliers qui baillent et on aide, ça n'a pas gagné en fait. C'est pour réorganiser et BESAP, son brigade, ou réorganiser, ça qui mérite formation, ou formation, ça qui mérite séminaire, ou fait séminaire pour eux, ou remettre en fonction. Et puis pour être capable de produire service que l'État a besoin dans les aires protégées et pour faire au fait. Mais on ne peut pas quitter au gars comme ça. L'État sont institution organisée et entité au sein de l'État qui font service de l'État ou pas quitter désorganisé. C'est ça, oui, l'État. Vous parlez dans 5 chantiers, les moines, vous parlez, nous gardons l'aspect sécuritaire ou quoi, la mère lui-même, vous coûte mille cabaye dans ça, accompagner la police là, pour nous moins, nous préparer si force multinationale là lui-même, l'abvini, en d'un pays là. Vous parlez de, dans le discours, madame Régine Abraham, non, qui était parlé dans le conseil présidentiel là, vous parlez des questions, remembrer l'économie pays là. Ah oui, ça c'est son question qui est très problématique, son question crucial, parce que ça c'est deuxième chantier, hein. Effectivement, j'en ai dit là, l'on prend tout le monde qui a un petit business, qui a un monde qui a un gros business, on prend même Barbanco, là, temps plein, bandit en bas et champ de canne, yo met du feu dans le champ de canne, non. Ça veut dire que c'est des institutions qui ont des difficultés. Bien, il n'y a pas qu'à transporter et marchandises bien que au fin fait par rapport à problème bandit. Eh bien, là, il faut approcher la question économique là différemment. Il faut poser le problème là pour commencer graduellement une solution. Là, on prend tout planteur dans le bas Tibonite qui t'a planté, qui t'a fait du riz, qui t'a fait bérégène, qui t'a fait tout plante bien. Eh bien, bandit, chassez eux. Ou bien, quand il a fini à planter, quand il a récolté, ben, il a campé pour tout récolter. Maintenant, faut ça finir. Il faut, quand il y a là, faut qu'à aider pour retourner la récolte, pour retourner sous champ, non, jardin. Mais là, mon défaut, faut qu'on accompagne. Tout le monde qui a un petit business dans la ville là, tout sous Delma, tout en bas Delma, c'est des petits business, oui. Mais puis, faut qu'on dise avant chômage, oui. Pour l'économie, là, très crucial, lui, c'est ça que fait du doux. Lorsqu'on on président ou en conseil présidentiel ou monté, mais pour capable faire face à toute mission définie pour le réaliser, il faut qu'un cop, pour y avoir comme ça, il faut un budget. Il faut faire un budget rectificatif. Et c'est dans le budget rectificatif qu'on fait désaffectation, réaffectation, qui permet de dégager les fonds nécessaires pour capable venir en aide à des institutions, à des mondes, à des petits entrepreneurs, et bien pour être capable de relancer au fur et à mesure. On ne peut pas relancer tout. On ne peut pas encore pour battre tout. Mais une série de jeunes entrepreneurs, ou capable de mettre un fonds à la banque, ou pas mettre que vous prêter, ou relancer ce business. Mais ça, c'est une question cruciale, oui.
Parce que les gens, grand pile monde qui parti là, qui était grand père autant faire business. Papa ou vient faire business. Yo même yo vient à faire. Et puis yo dit oblige courir parti quitter business là. Il ferme. Il y a un bandit. Mais tout le monde a envie de retourner. Mais pour retourner, il faut que la sécurité. Pour retourner, il faut que la bonne gouvernance. Eh bien, conseil là, c'est tout ça au boulot, oui. Alors, sur ensemble des chantiers, vous parlez de l'île, vous parlez tout des conférences nationales, vous parlez des référendums, mais vous êtes en dehors, dans l'intervention, vous êtes fait, et vous êtes capable de mettre ensemble des activités qui réalisaient déjà, ensemble des dossier, projet qui gagne sous question nouvelle constitution, vous parlez de Jerry Tadié, et même travail Jovenel Moïse a commencé à faire lui-même. Oui, oui. D'accord, vous, gagne deux que tu as fait déjà. Tu as un propre projet tardieux, gagne deuxième Jovenel Moïse. Eh bien, nous avons fait ensemble. Eh bien, vous n'avez pas besoin de paquet, vous n'avez pas besoin de trentaine, quarantaine et de monde dans l'Assemblée constituante. Vous prenez une vingtaine de monde et vous mettez au chita là, non, un mois, vous êtes en produit pour une nouvelle constitution. Vous comprenez? Il y a le cabaoul. Vous avez fait une nation en chita avec les mêmes. Eh bien, vous faites, même si vous avez les conférences nationales, un dialogue national. Eh bien, vous préparez, vous prenez 3, 4, 5 experts, préparez les modalités pour faire dialogue national. Là. Eh bien, vous préparez, et vous faites ça. Yo. Maintenant, dernier chantier pour l'idée, hein, c'est les élections. Ouais. Là, ça, eh bien, parce que nous avons, c'est le 22 ministères, nous avons fait l'élection. C'est-à-dire, il y a un déficit quand tout le monde qui veut comme président, il n'a pas envie de faire élection. On ne peut pas respecter les échéances électorales, les échéances constitutionnelles, immédiatement basculer dans la mauvaise gouvernance. La constitution a dit qu'il faut faire un tiers sénat chaque deux ans, mais tu n'as pas un président qui arrive à faire. Mais pour ça, on va faire. Parce que les gens ont calcul. Il n'est pas tard, mais que ce n'est pas Népal qui monte le président, le fait monter. Il sent qu'il est suffisamment outillé pour le faire magouille. Et ça, il n'y a même pas jamais monté le conseil électoral. Maintenant, il faut sortir dans le bail. Vous avez été élu président de la République ou président pour permettre le bon fonctionnement des institutions de l'État. Eh bien, ou monter la constitution dit, faut faire élection pour tirer Sénat, monte, ou prend les dispositions nécessaires, ou organiser l'élection, ou pas faire. Gon mandat deuxième tirer Sénat arrivé, ou pas faire. Mandat chambre député arrivé, ou pas faire. On prend mon tacou Michel Matéli. Ça, en 2015, il fait élection pour deux tiers Sénat, ni pour. Elle va même faire le billet, même, il a allé, il a obligé à le refaire par président. Ouais. Ouais. Ça veut dire que, quelle est cette histoire? Prépare le montant, 95, 97, on lui fait un premier tiers Sénat, l'élection par exemple qui a fini. Jusqu'à ce que, il n'y pas fait pour deuxième tiers Sénat, il n'y pas fait pour chambre députée, il vient de faire élection jusqu'en 21 mai 2000. Élection finit mal, c'est créé, mettons, crise politique. Chaque élection sont crise. Mais quand faut nous sortir dans ça, pour qu'ils soient des beaux chefs d'État, besoin de mon porc qui boit le bon pape là. Faut nous sortir dans ça. Yo. Mais pour nous sortir dans ça, yo, eh bien, fuck, moun qui était au pouvoir, qui veut comme président, ou pas, ou fin président, ou pas, même si tu as bien deux mandats, ou pas besoin de faire ma gouille ça. Yo. Respecter les échéances électorales. Eh bien, ça permet que le pays a pris de la stabilité. Et ou même tout, là, ça a dit, mais ça a été fait. Je veux dire, combien d'élections qu'a dit Jovenel Moïse fait? Ou fait 4 ans, 7 mois au pouvoir, ou pas font une élection. Ou pas même mettre un CEP sous pied. Ou dernier, on met un CEP mal fagoté. Ou pas un CEP pauvre, ou besoin de faire élection. En même temps, on besoin de faire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui de bon droit à faire une constitution? Alors, Ariel Henry, tout est remplacé. Ariel Henry, qui est venu dans le pays, il a pris le pouvoir le 7 février 2024. Et c'est la raison. Il n'est pas arrivé à faire élection. Il est arrivé à l'étranger, l'annoncer élection sans le programme au conseil électoral provisoire. Et c'est depuis le ça, le pays a chauffé dans Ariel Henry. Bon, depuis le ça, puis malgré qu'il fait déclaration ça Guyana, mais il prend avion pour aller et Kenya et c'est de Kenya étant moi quoi Ariel Henry pral connaît pays pral connaît toute situation difficile yo et puis depuis le ça pays a bloqué et Ariel lui-même il était à distance. Ça nous sommes gardés ensemble des chantiers capitaine nouveau pouvoir nouveau chef yo nouvelle autorité yo
qui prêtait serment et qui est installé hier. Mais on regarde moun qui était là yo parce que ensemble des événements passés et pendant présence équipe ça qui toujours est démissionnaire là qui là pour un petit temps. En attendant monsieur dame CPO yo même yo entendu pour capable arriver choisir un nouveau premier ministre capable bien peut-être c'est Boisvel capable n'importe l'autre haïtien et gen des moun là capable même rester. Ça c'est une hypothèse. Ça veut dire c'est pas nouvelle moi bay et les moines bono. Mais nous garder dans événement yo et c'est un événement qui la cause Ariel rete en dans pays a il y a prison qui crasé jusqu'à présent pas quelqu'un monde qui bail pays a explication combien monde qui était dans prison peut-être nous rete n'a spéculer mais c'est pas direction administration pénitentiaire nationale qui te vinn bay en conférence pour dire mais quantité monde qui était là dans prison yo et pendant prison crasé jodi a mais qui sa situation prisonnier li même lié ou pas gon commissaire gouvernement si nous te constaté pendant dans semaine qui se passé là il te visité plusieurs commissariat dans région métropolitaine là situation li extrêmement difficile nous gan pile monde dans la rue nous gagne dossier bon peut-être on t'a pas li puisque te gon juge t'a travaillé sur dossier Jovenel Moïse yo te parlé de ordonnance qui était sortie, c'est vrai officiellement nous pas de rejoindre ni pas de signifier et monde qui inculpé dans ordonnance ça tout dossier ça yo en cours qui comportement monde ça yo qui là journée aujourd'hui a puisque pourquoi démissionner toujours en poste tu as de gagner par rapport ensemble des dossiers aussi important pour la République. Nous on série de Colombiens nous dit participer à l'assassinat de Jovenel Moïse qui était dans pénitentiaire nationale. Je dis avec qui monde côté est-ce que qui était pays a est-ce que dans Colombien a pas rapatrié est-ce que fait partie de eux même tout les moines bonno. Voilà, on soulevez là et un problème qui est crucial effectivement existait. Tu as ensemble monde qui était là, tu as ensemble de hauts fonctionnaires l'état, les grands commis de l'état étaient là. Comment comprendre en prison gaz? Jusqu'à présent, le ministère de la Justice pas fait son. On communique pour dire que mes quantités sont dites, c'est vrai. C'est ça lié. Ou pas qu'à des ministres de justice, ou là, prison gaz, pas qu'on communique, non, de gouvernement intérimaire là. Pour te dire, mes quantités prisonniers que tu gagnes, mais combien mourir, mais combien pas sauver, mais qui j'ai en situation. Et c'est organisation de l'oiseau, mais au cap, dit combien prisonniers que tu gagnes. Combien calé, combien crité. C'est l'organisation dans une bonne information. Ça. Mais l'État en lui-même, le ministère de la Justice, qui c'est Wally, oui, parce que c'est le ministère de tutelle. Oui. Par conséquent, c'est lui qui c'est Wally, oui, pour les. Mais jusqu'à présent, les personnes sont communiquées, ben on ne dit rien, non. C'est quand on ne sait pas, c'est pas le travail, pas, ça n'a pas gardé. Ça pas gardé. Maintenant, le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Et là où elle dit, le pays a gagné 30 ans, 40 ans de mauvaise gouvernance. C'est tout. Là, on ajoute tout ça. Ils ont fait addition de eux. Et puis, c'est une bonne mauvaise gouvernance. Là, oui. Mauvaise gouvernance, c'est pas parce que le président pas de bon, premier ministre pas bon, non. Mais c'est toute action de l'ensemble des responsables de l'État qui faillit à la mission. Yo. Et puis, Dieu, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que l'on n'a pas cagé en prison. Lorsque la prison a pris l'écrasé, mais ça qui passe, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ça, oui, que mauvaise gouvernance, ça. Ah ben, Ariel Henry, où il veut au pouvoir, pendant où il veut pousser sous ou prison à craser, c'est la mauvaise gouvernance. Sous terre prend disposition. Alors, on s'appuie grave, là. Bandi a annoncé à craser prison. Et sur tous les réseaux sociaux, il y en a, c'est seulement les autorités qui passent aux réseaux sociaux qui parlent ça. Non seulement on va prendre disposition, Bandi au vini, et puis c'est la bandi au pralé. Là, on finit casse prison, c'est les sages et blender à vini. On dit que, ou pas font pays ça. Et moi, je toujours dis ça. Malheureusement, pour un pile d'un gouvernement qui a vini, qui montait déjà, passé déjà. Parce que les affaires de l'État, c'est le monde qui compte comment l'État fonctionne, oui, t'as arrêté dans eux. Là, pour le monde qui n'a pas de gens de travail dans l'État, pas contre, qui n'a pas contre la fonction de l'État. Qui par contre, Wallon, grand commis de l'État, quand tu es responsable de tel gazodol, et pour prendre, on mettait là-dedans, il va comprendre ça, il vient faire. Bien que pas même qu'on est là au fait que je premier ça pour demander où est l'organique du ministère. Il y a un ministère là créé depuis 30 ans, pas jamais l'organique, oui. C'est-à-dire, légalement, ce ministère n'existe pas. Parce que l'on monté comme ministre, premier ça leur paraît, où est l'organique du ministère. Ou gardez loi, si son loi qui désuète,
mais ils sont préparés où il est trois techniciens. Si pas bien le ministère, ou fait appel à trois techniciens, préparer un nouveau projet de loi organique pour moi. Et puis pour déposer le déposer devant le Parlement, pour discuter en Conseil des ministres, pour que le Conseil des ministres approuve, et puis pour la voter. Et comment comprendre? Il y a un ministère jusqu'à présent par la voie là. Si je dois citer vous, vous saisir, oui. Ce pas jamais loi organique. On fait exercice là pour nous, hein? Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Mm-hmm. Il crée en 94 Aristide d'après tout. Il va jamais l'organique. Donc, cependant, démarche Aristide de fait pendant 94, elle fait venir en débon. Il nomme un ministre sans portefeuille. Boucanté la parole. Mm-hmm. Chargé des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est-à-dire, elle fait nomme sans portefeuille. Il mando à Alchita avec technicien pour préparer loi organique. Alors, on dit un ministre sans portefeuille. Là, son ministre qui n'a pas gagné pouvoir vraiment. Alors, ce n'est pas qu'elle n'a pas de pouvoir vraiment, non. Il n'y a pas qu'on gagne un département ministériel. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, il a nommé le comme ministre sans portefeuille. C'est-à-dire, pas qu'un ministère. Mais il a nommé et puis pour la préparer ministère. Mm-hmm. Préparer. Puis, qui dit préparer ministère, c'est-à-dire préparer premièrement l'organique. Deuxièmement, l'organ local. Ouais. Ça veut dire en raison sociale. Parce que dès que nous avons un ministre sans portefeuille, il est rattaché au premier ministre. Oui. Ça va plus loin, c'est l'administration. Ouais. Mais cependant, les Aristides nommaient 4 ministres sans portefeuille. Ils nommaient ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ministre de la culture. Parce qu'avant, nous n'avons pas de ministre de la culture, nous avons ministre de l'information et de la coordination. En 1994, ils mettaient le ministre de la culture et de la communication. C'est-à-dire, c'est pour changer nos ministères, mission a changé. Ça, ça veut dire, vous voulez dire, là, ministère de la culture et de la communication, pas gagné en loi organique? Non, pas gagné, même j'ai un ministère de la justice. Autrefois, tu as le ministère de la justice. Là, ici, le ministère de la justice et de la sécurité publique, c'est un nouveau ministère. Il doit y avoir une nouvelle loi organique. Alors, si je suis allé dans la presse nationale, je me demande des lois qui conditionnaient le mode de fonctionnement du ministère de la Justice, ministère de la Culture, ministère haïtien vers l'étranger. Je ne peux pas prendre ça. On ne peut pas prendre ça. Seul ministère qui était nouvellement créé, qui a une loi organique, c'est le ministère de l'Environnement. Le Aristide, créé, même le Aristide, nommé ministre sans portefeuille, chargé de l'environnement. En vrai, quatre ministères nouvellement créés. Mais après ça, on loi organique dans le ministère. Là, Jean-Claude fait première réforme administrative en 1982. Tout ministère, avec autorité portuaire nationale, autorité aéroportuaire nationale, lui réorganiser l'administration et la fonction publique pour la première fois. Ça fait toujours que dans 1982. Maintenant, tout ministère est loi organique. Tout. Maintenant, il y a un ministère, loi datée de 83-84, oui. Ça fonctionnait là, on y a. Loi ministère de la Finance, une quoi datée de 86-87, oui. Tandis que, au grand ministère des Finances, grand somme de l'authenticité, ou une inspection générale des Finances. Vous gardez la parole. L'autre inspection générale des Finances, faut une nouvelle loi, une nouvelle loi organique. Ah. Ou bien, par exemple, on prend la Banque centrale. En 79, le Jean-Claude, après le fond de la Banque centrale, et la Banque des banques, ils ont séparé la BNRH, c'est-à-dire oui. La Banque nationale de la République d'Haïti. Ils ont séparé en deux. Ils ont venu faire le fait parce que la BNRH joué deux rôles. Oui. Ils étaient servis comme Banque centrale, ils étaient servis comme Banque commerciale de l'État. Ils ont venu diviser en deux. Ils ont fait la BNRH et la BNC. Oui. La BNRH devient uniquement en. La banque des banques, et puis il y a une loi organique qui crée. Mais loi ça crée. Mais avec tous les mouvements qu'a fait dans le système financier international, dans le système financier national, tu as deux autres lois encore, oui. Ouais. Nous avons fait une émission spéciale sur le fonctionnement de l'État, les moines bonos, moi, je voulais garder avec vous.
mais t'es obligé de avec oui oui mais t'es obligé de avec vous question ordonnance ensemble de gros dossiers puisque si on juge qui font travail bon on dit juge là remettre travail li, il y a un commissaire du gouvernement c'est vrai contexte là extrêmement difficile mais je dis à nous et Mounio continuer prendre la rue la banque l'ouvrir l'État continuer à fonctionner CP installé donc est-ce que Mounsa va pouvoir signifier mais dans l'intervalle pour nous capable finir déjà gagner groupe qui réclamait le de Guy Philippe qui gagne en tête li est-ce que me doit les porte-parole mais on a parlé de Jean-Tel Joseph un ancien directeur général dans l'État il dit désormais c'est eux-mêmes qui principal opposition à nouvelle structure ça est-ce que son signe lui reconnaître CPA comme pouvoir puisque dans un moment était dans objectif c'est prendre palais national avec Guy Philippe. Mais je dis, il dit déjà, c'est eux-mêmes qui sont en opposition. Bon, on doit faire opposition. Et c'est reconnu par la Constitution. Mm-hmm. Mais pour faire opposition, il faut qu'ils ont une entité politique. Ouais. Ou un parti politique. Est-ce qu'ils sont parti politique? Si ils sont parti politique, c'est leur droit. Ils doivent faire opposition, c'est-à-dire, ils ont critiqué tout ça. Gouvernement, place après le fait. Que aussi pas bon, c'est ça l'opposition. Est-ce que là tout c'est pas un cap blanche au bail à CPA puisque à un certain moment on était seulement des souvenirs CPA pas installé. Ben je dis dans l'opposition, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît pouvoir CPA mais nous en opposition. Oui, c'est une reconnaissance tacite. Parce que dès vous dit quand on a l'opposition, c'est qu'on reconnaît qu'on pouvoir établir en face. Et ça oui. Eh bien, qu'on y a là, eh bien, pour gestion démocratie, il est important. Ah oui, il est important. Pour la démocratie, c'est bien. Il y a un pouvoir établi, il y a une opposition. Eh bien, c'est bien. Mais l'opposition a prêté dans les limites de son fonctionnement. Qui ça, limite fonctionnement opposition, qui ça lié? À limite fonctionne l'opposition, ou à suivre, ou à garder tout ça pour pouvoir faire comme décision. Lui prend comme mesure, et puis tout son estime qui part bon, ou à dénoncer. C'est ça, oui, l'opposition. Et puis vous-même. C'est pas dans des zones. Ouais, sans les zones. Bon, vous avez manifesté. Vous avez sorti dans la rue, dit, pas d'accord, le gouvernement n'a pas fait assez par rapport à mon yoté, bandit est chassé la caillou, c'est pour le gouvernement, pour dégager, permettre que tout le monde s'en retourne dans la caillou. Mais c'est bien, c'est l'opposition. Qui estime que le gouvernement manquait ou tirer mon yon dans la rue? Ça a bon, oui. On fait manifestation. Ouais. Mais manifestation, pas une organisation, non? Ah oui. Si vous faites manifestation, ou pas une organisation dans la manifestation. On y a un essai fait exercice là, et les moines, et groupe ça, ils réclament de. Ils réclament de. À un certain moment, ils réclament de vivre ensemble. Donc, est-ce que un groupe qui réclame de vivre ensemble, puisque vous êtes voulu pour le pouvoir avec groupe ça. Vous êtes voulu pour le pouvoir avec le national avec groupe ça. Groupe qui est dans l'opposition. Et qui est-ce qui mette le pays dans la sécurité? Est-ce que moun sa yo fait l'opposition? Je dis, vous devez demander la sécurité dans le pays. Non. Maintenant, est-ce que vous êtes réclamé à un moment de la durée pour prendre le pouvoir à Guy Philippe? Oui. Avec vivre ensemble. Oui. Ok. Maintenant, qu'on y a, est-ce que vous détachez yo? De vivre ensemble. Est-ce que les gros alliances tacites, bah, on est. Mais l'essentiel, il est tabou qu'il n'y a pas pouvoir avec vivre ensemble. Ouais. À tel point que Guy Philippe t'a demandé amnistie pour eux. Ouais. Ok. Mais maintenant qu'on est là, ça va arriver fait. Et puis, t'as qu'à lui. Et puis, maintenant, parti que le territoire, mais le lien, ça m'avait là, monsieur Sao, il a décidé d'être dans l'opposition. Si nous sommes dans l'opposition, c'est que nous détachons-nous de groupes armés. Ouais. Parce que si nous ensemble avec le gouvernement, nous ne sommes pas en opposition, nous sommes des bandits, même gens. Mais si nous disons que nous réclamons de l'opposition, c'est-à-dire que nous parlons de l'opposition constructive. Donc vous voulez dire que nous sommes en opposition? Non, nous sommes pas en opposition. Et pour le gouvernement, c'est que vous prenez les armes contre le pays. C'est ça, lui. Vous cantez la parole? Vous prenez les armes contre le pays. Bon, mais si ou son opposition constructive ou son parti politique, et puis on va dénoncer, on va chercher chaque décision, chaque mesure que le gouvernement prend, et puis pour dénoncer ça ou estimer qu'il n'est pas bon. Il y
président bon, oui, ou bon, estime le pas bon. C'est droit. Ou. Gouvernement, là, il connaît un mesure à bon, ou dit le pas bon, il va occuper. Oui. Mais s'il pas bon tout, et qu'elle dit le pas bon, elle montre pas à plusieurs, mais ça pas bon la donne. Eh bien là, la font opposition constructive. Bon, okay. Bon, je pense que ils font parler avec Jean-Tel Joseph, puisque lui réclame de l'opposition, et oui, c'est pour démocratie, c'est bon. Nous ne pas quitter le pouvoir là, donc tout le monde a fait ça, on voulait sans pas grand monde qui a dénoncé, mais m'espérer pour voir ça qu'il y a pas l'écoute, puisque ce sont des dirigeants politiques, c'est des gens qui sont dans la politique. Pour la première fois, ouais. Peut-être nous toujours dit, c'est acteurs politiques, c'est l'OPL, c'est PHTK, c'est Petite Dessalines, c'est Famille Lavalas, c'est D, c'est Compromis, Red, de tout, dit Montana sur parti politique. Son groupe dans la société civile, là, si vous voulez, capable de considérer lui comme ça, parce que son groupe qui monte, c'est après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est 30 août 2021, groupe ça, lui-même. Andy, messieurs qui étaient dans l'opposition, ils ont décidé pour pouvoir vivre ensemble et Guy Philippe t'a même demandé amnistie pour les moines Bono. Si Jean-Tel détaché des groupes sales qui dit bonjour d'être dans l'opposition, n'est-ce pas un mieux qui comporte nous de rejoindre aujourd'hui? Bon, à eux-mêmes, a dit que si eux-mêmes ont estimé que ils ont été dans mauvaise route, parce que jusqu'à présent, si eux-mêmes mettent des âmes, bon, l'autre considération. On pas dit que on va faire amnistie. Mais si on décide, yo pas fait pays à tort de faire déjà. Ça va faire nous depuis 2 ans, 3 ans. Depuis là on prend et commissariat et Martissan. Yo remet zam. Mais laisse ça gouvernement qui a une autre considération ou bien au cas français NDDR ou mais là on continue à demander amnistie pour continuer à tuer monde ou continuer à chasser monde et qui paisible citoyen là caillou. Pour mettre du feu dans le caillou, pour voler ça au dégain, on ne peut pas du tout parler d'amnistie. Amnistie, c'est dans le cadre, par exemple, un groupe d'hommes qui ont un problème idéologique, avec un pouvoir établi, et puis qui prend des âmes, maintenant, et puis ils ont décidé à un moment de la durée, il y a pour mettre des âmes, l'État capable pour amnistie. Vous cantez la parole. Mais bandit qui a tué moun, machin assassiné moun, violé moun, kidnappé moun, pour faire moun payer, chasser moun nagayo, qui a mis si ou bien pour bola. Bah ouais, comment? Dans quel pays ça va faire? Mais politique là, les dynamiques en Haïti, moi, quoi, la veille installation, hein, Jean-Tel Joseph te bah en conférence pour lui dire, li pa voye ken moun négocier, Guy Philippe pa voye ken moun négocier pour lui, et jodi a li tourne devant micro la presse encore, pour lui annoncer, yo, dans l'opposition, parce que c'est bon pour la démocratie, les moines bonnes. Moi, t'es vraiment, vraiment content de parler avec vous, et moi, quoi, grand pile moun qui content, à chaque fois de parler avec vous dans l'émission, boucanter la parole. C'est ton plaisir pour nous de parler, les moines Bono. Eh bien, merci. C'est moi-même qui vous remercie. Et c'est un plaisir pour moi tout pour partager idée PAM, ça me comprend l'expérience moi avec vous. Et je crois que tout auditeur, mes gars, tout internaute qui a suivi nous là, eh bien, je crois que vous êtes content. Et à n'importe quel instant, si vous voulez nous faire un bel débat sur l'administration, sur réforme. Eh bien, n'importe l'heure, ou carré les mêmes piles ça, n'a préparé, n'a fait une très belle émission. Merci à la structure de l'État. Merci à pile disponible et n'a planifié sur ça. Merci à pile pour nous te content parler avec vous. Merci à pile. D'accord. Voilà, nous t'as parlé avec le moine Bono et nous t'as regardé l'actualité pendant la journée parce que nous en matière politique et moins de détails comptés lorsque on fait politique. Et moins de détails comptés. Est-ce que l'y estimé sautil te faire? Est-ce que Jean-Tel Joseph estime sautil te faire? L'y te mal passé? Qui ça le dit moins? Et. Bon, ça. Oui, bon, son message, oui. Alors, mesdames, c'est fini. L'aime dit c'est fini, donc c'est un constat. Parce que l'on fait politique, détaillé, compté en politique. Hier, c'est jeudi, mais quoi, soit hier ou bien. Écris-moi sur ça, non, s'il vous plaît. Nous avons bien gardé ça.
entre hier ou bien mercredi, Jean-Tel annoncé dans il pas voué moun négocier avec Guy Philippe. Alors, pas de monde qui a négocié pour Guy Philippe. Au moment même, information que moi j'ai gagné, commencé à gagner des monde qui a parlé avec CPA pour demander et groupe ça ça n'a pas avec. Et je dis à Jean-Tel tourner dans micro la presse encore pour dire il est dans l'opposition. Avle dit bataille la fini. Lem dit bataille la fini. Hier soir moi dit là dans boucan de la parole. Lem constate moi ouais comment il est coup de cassation Jean-Joseph Lebrun participer dans cérémonie. C'est l'État, c'est un pouvoir que toute bagaille est finie. Pas une question de cassation, pas une contestation. Hier, il y a une question, est-ce que tu es un représentant Guy Philippe dans l'activité par le national là, et dans la ville d'accueil là? Je ne sais pas comment tu as remarqué ni Jean-Tel, non. Je ne sais pas comment tu as remarqué l'autre monde. L'autre tourné aujourd'hui après, un jour après installation, on dit dans l'opposition, c'est reconnaître ou perdu. C'est pas moi capable de nous ça. Lorsque l'élection Jovenel Moïse fini, il a annoncé c'est Jovenel Moïse qui sorti gagnant dans l'élection novembre 2016, Éric Jean-Baptiste. Côté Lial nan vérité li, nous nan menti nous là, n'a passé misère nous là. Li annoncé li pral monter un gouvernement. Bon côté parle à en dedans, je crois c'était ADNP ou bien c'est en bas parti bannière ADNP. Alors, Éric Jean-Baptiste t'est annoncé li pral monter un gouvernement pour contrôler toute action. Jovenel Moïse pral poser. Ça veut dire automatique, Eric est passé dans l'opposition. Il t'a accepté le résultat de l'élection. De fait, la bande à Guy Philippe, il a accepté, il y a un pouvoir qui est établi depuis hier. Et pour gagner l'opposition, il faut qu'on pouvoir. Radio Mega. Si pas pour opposer, son bataille ou perdu. Ou dans l'opposition avec son perdu. Pour qu'à. Confie ou remet. Ou est-ce que ça passe dans mon autre monde? Dans mon autre monde. Vous comprenez ça, me dit. Ou quand son garçon tout, ou est garçon, ça passe dans mon autre monde. Ou est-ce que je détermine le sexe, je dis l'autre monde. Il veut dire ça, je le dis. Nous grandissons, nous comprenons. Mais automatiquement, mon ça, sous pas grande dimension, jeune gens, ou bien demoiselle ou kalèd mamoun ça pour la vie, ça veut dire ou en face li nous pas retrouver nous même côté, nous en désaccord. De fait toute bagaille fini, c'est bon pour la démocratie. Et déjà micro boucanté la parole, il est disponible, il est grand, il était l'ouvrier pour l'opposition. On gagne bagaille. Je dis à Haïti, pas gagné pour craser encore. Pas gagné manifestation. Pas gagné craser brisé. Nous avons fait l'opposition, nous avons sensibilisé Mounio, dans ça, l'État te doit faire. Il n'est pas fait. Dans la responsabilité de l'État, nous devons faire l'assumer. Un jour, après l'installation de CPA, la bande à Guy Philippe vient dire dans l'opposition, ça veut dire c'est fini, pas gagné bataille encore. C'est ça la nouvelle là et là. Radio Omega. C'est ça conférence là lié. Pas de bataille, c'est fini. Vous cantez la parole? C'est fini. Mais c'est pas Guy Philippe qui vient de bailler, non? Mais c'est Guy Philippe qui vient de bailler, vous Jean-Tel parler. Mais c'est eux-mêmes qui t'a porté message là. Mais dis-nous, Jean-Tel dit la veille. Vous n'avez pas voulu négocier pour Guy Philippe. C'est normal. Parce que nous avons une nouvelle là, il y a des gens qui commencent à. Qui t'a approché des gens. Sur question Guy Philippe là. Pour dire que ça fait Guy. Et jeudi, il y a une conférence qui a annoncé dans l'opposition. Bataille a fini. Pays a connu dans le même groupe ça.
pays a nan men groupe ça, groupe CPA. Alors, groupe CPA, Conseil présidentiel de transition, c'est eux-mêmes qui pourront le décider. Nous dans l'opposition, et moi-même, nous pourrons le bord. Alors, nous pas dans l'opposition avec quel monde. Nous pas dans le pouvoir tout avec quel monde. Nous dans Haïti. Ya. Politique en Haïti est dynamique. Politique en Haïti dynamique. Pas l'aide mis avec moun pour politique en Haïti. Ouais, nous-mêmes qui ici a nan boukanti la parole, nan espace à grande écoute sa yo, nous rencontrons tout moun. Nous parlons avec tout moun. Nous chita avec tout moun, nous et tout moun. Et nous comprenons tout moun. Pas fait ennemi pour pouvoir. Nous sommes bon haïtiens. Et gon l'argent m'a mené une enquête sur l'équipe avant 7 février. On plusieurs millions gourdes qui baillent avant 7 février. Avant 7 février, gon gros l'argent qui baille. Gon gros l'argent qui baille. Et si mon pensé baronné, franchement baronné. Même bal zon bagay. Kite m zon bagay nan boukante la parole. Jotel Joseph dans l'opposition. Mais on connaît Jotel Joseph dans la situation pour négocier l'opposition. On va mander m'gose. Radio Omega. Jotel Joseph, non, li nan situation extrêmement difficile pour l'opposition pas faire l'on fait. Parce que dans l'ordonnance du juge Voltaire, Jotel inculpé là-dedans. Ah, on dit ordonnance là, l'état faux. On dit ordonnance là, t'a bâclé. Mais son l'autre juge qui était, son l'autre tribunal qui pourrait dire ordonnance là, t'es bâclé. Son l'autre juge qui pourrait dire ordonnance là, son l'autre tribunal qui pourrait dire ordonnance là, t'es vis de forme. Ça me dit, non, une bonne nouvelle là. Peut-être nous qu'à déranger, m'lem vin là, m'pas critiquer moun, non, m'pas critiquer moun même. M'pa fait émission sous moun. Mais puis quand mettre la tête nous l'ordonnance du juge Voltaire, il est toujours debout. Puis on va se passer pays à craser, depuis on signifier son l'autre tribunal pour qui j'étais lui pour qu'il casse l'ordonnance là oui. Radio Omega. Ordonnance toujours existé oui. Comme pays à nous kachou mboube pays à tête en bas. Pour qu'on gagne qu'a fait. Mais ordonnance a toujours existé. Boukanté la parole. Ordonnance li même li là. Pour algon l'autre juge qui certainement pour regarder ordonnance là. Pour algon l'autre tribunal qui va regarder ça, décision ça. Mais tout le monde qui est inculpé, il est inculpé net. Jusqu'à ce qu'il y ait l'autre tribunal qui décide sous dossier ça. C'est Jean-Ismaël Valestin. On connaît grand pile monde qui est même. On connaît grand pile monde qui paraît même tout. Et si je ne fais pas prendre ça pour nous comprendre ce qui est dans le bouquin de la parole, pas de l'autre pour nous faire pour nous. La conférence qui est aujourd'hui, c'est fini. C'est un constat, les carottes sont cuites. Ok? Pour le nouveau pouvoir, et puis l'opposition. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui bataille encore. Et puis, messieurs qui nous amènent dans nous, c'est ça le message là lui-même lié. Parce que le pays a bouqué, le pays a fatigué.